Bonsoir à tous, ici UB Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Donc déjà je vous fais un petit coucou, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc à peu près 10 jours. Donc j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, parti en vacances entre guillemets, dans le sens où j'ai gardé un chien, un très joli chien, donc un petit staffy. Donc j'ai fait du pet sitting. Et je suis resté chez moi, ça m'a permis un petit peu justement de faire des vacances par rapport à l'ordinateur. J'ai pu bouger, profiter, bref. Donc j'espère que vous aussi, vous avez pu profiter de vos vacances malgré la crise actuelle avec le pass sanitaire, etc. Et donc là, je reprends maintenant mon rythme habituel des vidéos. Donc là, aujourd'hui, ce sera Monster Hunter. Vendredi, ce sera Godot. Et après, je reprendrai comme d'habitude, comme j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc là, on va commencer tout de suite donc sur une vidéo des voltoages. Donc déjà dans la toute dernière vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, j'avais présenté des builds HL, on va dire, après avoir affronté le Brachydios Tempête. Et là maintenant on va faire des builds sur le Fatalis. Donc le premier build qui est sur moi, et bien je vais vous présenter, c'est le build élémentaire. Voilà, donc sur moi j'ai du full Fatalis bêta avec une Spata Gjar, donc c'est la Voltoash Gjar. Donc Kuftarot, hein. Donc là j'ai Témérité 7, Blizzard 6, Maître d'armes 6, Bénédiction 5, Expert en survie 5, Crâne d'acier 3, Berserker 3, Mise à mort 3, Puissance absolue 3, Invulnérabilité 2, Prêt à tirer 1, Rage élémentaire 1, Halo de guérison sur les caps. Et là donc j'ai l'héritage du Fatalis et la sublimité du Fatalis. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas en général, ce que je leur dis c'est de mettre pause, hein, pour que vous puissiez regarder correctement le nom des joyaux. Hop. Alors ici donc l'héritage, donc retire la limite du niveau pour les talents de type secret, ce qui va avoir pour effet, vous voyez par exemple la témérité de base c'est un talent qui va jusqu'au niveau 5, mais grâce à ça on peut aller jusqu'au niveau 7 avec les deux petites cases violettes. Ensuite sublimité confère samouraï ou franc tireur vrai, donc là dans notre cas c'est samouraï qui va s'appliquer, qui va permettre que le tranchant se réduire très 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 lentement par rapport à l'habitude. Et enfin vie endurance plus 100 au début de la quête ou après un chaos. Donc là notre vie est à 100 de plus, donc par exemple à 100 bah, vous êtes monté à 200, et pareil pour l'endurance. Donc ensuite témérité augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés, et vu qu'ils le sont souvent c'est un talent quasiment indispensable si vous voulez faire du DPS. Donc attaque plus 28 et affinité plus 20%. Blizzard augmente la puissance des attaques élémentaires glace. Donc là, comme vous avez pu comprendre, c'est un build élémentaire. Donc le collier devra à chaque fois changer selon l'élément. Là, j'ai mis un collier de glace. Comme vous pouvez voir, c'est le collier de l'hiver 5. Vous devrez à chaque fois le changer selon l'élément de votre arme. Donc là, attaque glace plus 20% et attaque glace plus 100. Maître d'armes augmente l'affinité. Donc là, l'affinité, pour rappel, c'est votre taux de réussite critique. Donc l'affinité est de plus 30%. Bénédiction a une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez. Donc de base, ce talent va vous permettre, lorsque vous allez recevoir un coup d'un monstre, de temps en temps, vos dégâts seront réduits. Donc là, les dégâts seront dégâts subis seront réduits de moins 60%. Et en plus de ça, va augmenter aussi les chances d'activation. Parce que ça s'active, on va dire, une fois tous les 5-6 coups. Et bien là, ça va vous permettre d'activer plus souvent ce talent. Expert en survie, alors réduit le délai de réutilisation des outils de survie. Donc là le délai de réutilisation est de moins 50%. Pour rappel, les outils de survie par exemple c'est tout ce qui est les caps ou par exemple aussi les petits gadgets qui vont permettre de soigner tout le monde, qui va faire une fumée de soins, etc. Donc là les caps immuables et les caps temporels seront réutilisables 50% plus rapidement. Ensuite, crâne d'acier augmente la résistance contre les étourdissements. Donc là, protège totalement des étourdissements. Donc là, c'est le stuff en soi qui vous le donne, c'est pas avec des joyaux. Et ça peut vous sauver la vie, puisque vous savez très bien que si vous faites attaquer deux ou trois fois d'affilée par un monstre, vous allez avoir des petites étoiles de confusion autour de votre tête. Et à ce moment-là, le monstre, très souvent, va vouloir vous charger à ce moment-là. Et si votre santé est au plus bas, eh bien, vous êtes mort. Donc ça peut vous protéger, ça peut vous sauver la vie. Augmente, donc la Berserker, augmente les dégâts des attaques critiques. Donc là, augmente les dégâts des coups critiques à 140%. Ensuite, mise à mort, augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. Donc l'affinité monte de plus 30% et bonus partie blessée plus 20%. Donc ce qui donne un total de 50% lorsque vous attaquez les parties blessées. Sinon, c'est que 30% de base.
puissance absolue. Les épées longues, insectoglève, lame double, morpho-hache et volto-hache restent chargées plus longtemps. Dans le gameplay de la volto-hache que j'avais déjà présenté dans la première vidéo que j'en étais allé voir si vous ne l'aviez pas vu, j'expliquais qu'il y a un gameplay bien particulier et qui va vous donner des buffs. Et donc là, ça va augmenter grandement la durée des améliorations de ces buffs pour la volto-hache. Donc un talent quasi indispensable aussi qui est très très utile. Invulnérabilité. Augmente la durée d'invulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque. Donc lorsque vous allez esquiver, il y a une toute petite fenêtre où vous allez être invincible. Si vous l'utilisez au bon moment, par exemple vous faites une roulade au moment même où le monstre vous attaque, mais si vous la faites vraiment au bon moment, au bon timing, vous êtes invincible. Mais ça c'est de base. Et avec invulnérabilité, ça va augmenter cette fenêtre, ce petit laps de temps qui est très court. Et donc au niveau 5 par exemple, ça augmenterait énormément la fenêtre d'invulnérabilité, mais là c'est que au niveau 2. Ça aussi c'est le stuff de base qui le donne. Prêt à tirer. Augmente le nombre de munitions de lance-canon et le nombre de fioles de la volto-hache, puisque là, la volto-hache va utiliser des fioles, un système de fioles, donc là vous aurez une capacité, donc une fiole supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, rage élémentaire, ça c'est l'arme, les Gjar qui le donnent, qui l'importent avec eux. Augmente les dégâts élémentaires feu, eau, foudre, glace et dragon infligés par des attaques critiques. Et enfin, halo de guérison qui est sur les caps, accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires, donc c'est la zone rouge lorsque vous faites attaquer, et bien ça va, lorsque vous allez recevoir des dégâts, ça va réduire votre santé, et puis il y aura une zone temporaire de dégâts. Et bien le fait que la santé va remonter très légèrement habituellement dans cette zone rouge là, ça va accélérer cette vitesse de guérison, donc là vu qu'on est à 2, donc ça va tripler la vitesse de récupération après des dégâts temporaires. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Aussi, donc là évidemment j'ai mis de l'attaque et de la régène. Vous pourriez aussi tout à fait mettre uniquement que de l'élément, puisque là on joue sur des critiques éléments pour monter encore plus l'élément glace. Et vous pouvez voir que là je suis à 860 en attaque de glace et 50% d'affinité, c'est vraiment énorme. Et 1141 de défense, enfin bref. Voilà, on va passer au stuff suivant. Alors ici toujours pareil, hein, l'arme du Fatalis avec toute l'armure du Fatalis en bêta, sauf que cette fois on a maître d'armes 7, témérité 7, invulnérabilité 5, bénédiction 5, expert en survie 5, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, puissance absolue 3, destructeur 3, jamais vaincu 1, esprit indomptable 1 et prêt à tirer 1 et toujours halo de guérison sur les caps. Alors ça c'est un stuff assez complet. Alors là, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai déjà expliqué. Invulnérabilité, donc tout à l'heure, à l'instant, il était à 2, maintenant il passe à 5, donc ça va augmenter énormément la fenêtre d'invulnérabilité. Bénédiction, je l'avais déjà expliqué, expérience survie aussi. Tac, 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 destructeur. Permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres, donc augmente les dégâts contre les parties destructibles de 30%. Si vous attaquez la tête pour les cornes ou les ailes ou la queue, et bien avec ce talent vous allez pouvoir plus facilement trancher, découper ou casser. Voilà. Ensuite, jamais vaincu, augmente l'attaque et la défense après un évanouissement. Donc là, l'attaque est de plus 10% et la défense de plus 15%, c'est vraiment énorme, hein. C'est pas négligeable. Donc si vous affrontez un monstre assez coriace, vous savez que vous avez peut-être une chance de mourir, et bien ce talent va vous permettre d'être beaucoup plus fort et c'est permanent, hein. L'effet n'est pas que en début du retour de combat, ça va rester jusqu'à votre prochaine mort, mais comme vous avez dit, c'est que deux fois seulement, c'est écrit hein, entre parenthèses, deux fois seulement évidemment, parce que la troisième en général vous mourrez, sauf dans certains contrats où on peut avoir la chance de mourir cinq fois, mais ça va quand même s'activer que deux fois, donc voilà, c'est à prendre en compte. Donc du coup ensuite, esprit indomptable, améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes victime d'affliction, améliore grandement le temps d'invincibilité durant une esquive et réduit la perte d'endurance. C'est complémentaire avec invulnérabilité puisque ça va vous permettre donc d'améliorer votre esquive, mais aussi la perte d'endurance lorsque vous devez faire des esquives, des roulades pour enlever la fiction de feu ou de la fiction donc du statut explosion de la poisse donnée par le Brachydios par exemple. Vous allez devoir faire des roulades et donc ça va vous enlever votre endurance. Donc là, ça va vous permettre que votre endurance puisse être moins réduite. Prêt à tirer, je l'avais déjà expliqué, et à l'autre guérison, je l'avais déjà expliqué. Hop là.
Alors, ce stuff, il est assez spécial. Donc là, c'est toujours pareil, sauf que là, cette fois-ci, c'est un stuff pour les speedruns. Donc, maître d'armes 7, témérité 7, héroïsme 7, bénédiction 5, expert en survie 5, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, puissance absolue 3, invulnérabilité 2, jamais vaincu 1, prêt à tirer 1. Et à l'autre guérison sur les caps. Alors, je vais vous expliquer. Alors, en quoi c'est un stuff pour speedrun, mais semi-speedrun, vous allez voir, c'est qu'il y a héroïsme. Donc, augmente l'attaque et la défense lorsque la vie est inférieure ou égale à 35%. Donc, le but, là, vous voyez, attaque plus 40%, mais c'est vraiment énorme, et la défense plus 150%. Là, le but, c'est qu'une fois que vous arrivez à 35% de votre vie, ou un petit peu en dessous, c'est de ne plus du tout se faire toucher. Seulement, j'ai mis bénédiction, donc c'est un peu contradictoire puisque bénédiction va vous permettre de temps en temps de résister aux dégâts. Mais c'est que de temps en temps, c'est pas non plus à chaque coup que vous allez recevoir. C'est pour ça que c'est semi-speedrun, mais pas totalement. Mais c'est pas non plus un fardeau, on va dire, bénédiction. Mais ça va vous permettre d'un peu mieux, moi j'ai estimé le mettre pour que vous puissiez mieux gérer votre chute de PV. Parce que certains monstres vont vous donner tellement des claques énormes. S'il fallait que, par exemple, je sais pas, j'invente, votre vie est à 50%. Il faut aller à 35, mais le coup que vous allez recevoir peut vous enlever justement 50%, donc tomber à 0. Si à ce moment-là, bénédiction s'active, eh bien, ça va vous permettre d'être à 20, 25% de votre vie et donc de pouvoir activer héroïsme sans mourir, vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait quand même mettre bénédiction pour les débutants. Donc là, c'est un stuff de speedrun pour débutants. Après, sinon, vous pouvez tout à fait le remplacer par invulnérabilité. Tout simplement, vous mettez invulnérabilité jusqu'à 5 en fait, et comme ça vous allez pouvoir améliorer votre esquive et par exemple mettre aussi comment j'avais mis tout à l'heure, esprit indomptable. Voilà, et jamais vaincu est important puisque si vous mourrez en voulant essayer de jouer avec votre jauge de vie avec héroïsme, et eh bien l'attaque va être encore, et ainsi que la défense, encore multipliée. Donc vous voyez, ça aussi ça se marie bien avec héroïsme. Mais voilà, le but du jeu par contre là aussi, c'est que votre arme ne soit pas en transcendance régène, puisqu'à chaque coup que vous allez donner, votre santé va remonter. C'est pas le but, faut vraiment jouer avec un très peu de PV, un pool de PV vraiment minime. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des speedruns, et ce sont des joueurs quand même assez expérimentés qui utilisent ça, mais voilà, c'était, je pensais à eux, pour ceux que vous voulez, voilà, ceux que vous voulez faire ça, vous pouvez, avec une Volto, ça va faire d'énormes dégâts, vraiment puissant, ça pourrait monter votre attaque au moins vers les 1500 bruts, quoi, donc voilà, à tester. Hop, donc là c'est encore une variante aussi, puisque c'est semi-speedrun entre guillemets, je précise bien. Donc là vous avez maître d'armes 7, témérité 7, vengeance 5, bénédiction 5, expérience survie 5, crâne d'acier 3, aura draconien 3, je vous expliquerai pourquoi. Berserker 3, mise à mort 3, puissance absolue 3, invulnérabilité 2, jamais vaincu 1, prêt à tirer 1. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir la cape d'évasion, donc c'est la cape temporelle, là vous aurez la cape anti-dragon. Et donc là, vous allez comprendre que ça, c'est des stuffs qui s'utilisent plutôt contre le Devil Joe. Voilà, donc contre le Devil Joe, par exemple, là, vengeance augmente l'attaque lorsque vous avez subi des dégâts temporaires. Donc là, pareil, le but du jeu, c'est de ne pas avoir de transcendance et de ne pas avoir de palico qui vous soigne. Un palico, par exemple, gadget, piège ou leurre, mais pas un palico. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser pour le build précédent, mais c'est pareil. Hein. Pas un palico qui vous soigne, sinon ça ruine toute la, toute, comment dire, le gameplay de ce build. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, donc ça attaque, on va augmenter donc votre attaque, donc de plus 25. C'est pas négligeable, sachant qu'en plus vous aurez donc l'aura draconienne, donc c'est pour ça que ça a utilisé plus contre le Devil Joe, contre le Xynogre Stygien, contre tous les monstres en fait qui vont vous faire subir des dégâts draconiques, même contre la Latrion quand il est en mode draconien, ça peut être sympa. Augmente la protection contre les attaques élémentaires dragon et les attaques physiques. C'est pour ça que c'est important, ça vous donne aussi de la défense. Donc défense dragon plus 20 et défense physique plus 20. Puisque là, de base, vous voyez là, dragon, alors là peut-être qu'il y a mon logo qui va gêner dans le montage vidéo, mais dragon, il était à moins 20 en défense élémentaire, il passe à 0. C'est en moins une défense neutre. Mais surtout qu'après, vous allez pouvoir combiner ça avec la cape anti-dragon. Donc là, ça va vous donner une très bonne défense, puisque la cape anti-dragon, je le rappelle,
ici, réduit les dégâts draconiques et annule les fléaux dragons et améliore l'élément de dragon de l'arme. Il faut pas oublier que l'arme du fataliste est une arme dragon. Même si ça va pas monter bien haut, c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc là, c'est vraiment un stuff contre les monstres draconiques, ou en tout cas ceux qui vont vous faire des dégâts draconiques. Et enfin, le stuff que je vais utiliser, puisque j'ai déjà filmé un combat contre un monstre, donc c'est le stuff que je vais utiliser contre un combat d'un monstre RM. Donc là, c'est Machine de Guerre 7, Maître d'Armes 7, Témérité 7, Invulnérabilité 5, Expert en Survie 5, Crâne d'Acier 3, Berserker 3, Mise à Mort 3, Puissance Absolue 3, Totem Élémentaire 1, Jamais Vaincu 1, Esprit Indomptable 1, Prêt à Tirer 1. Donc vous voyez, là, il réunit beaucoup de choses à lui tout seul. Hop, alors là, Machine de Guerre 7 va augmenter donc votre attaque de plus 21, mais aussi l'affinité de plus 5%. Donc de 20% d'affinité, je passe à 25. Ensuite, invulnérabilité, tout ça, j'avais déjà expliqué. Totem élémentaire, alors pourquoi? Il m'en fallait un, enfin il fallait que je le mette, en fait il est normalement fusionné avec un autre. Pourquoi totem élémentaire? Puisque la durée des fléaux élémentaires est de moins 50%, c'est pas négligeable malgré tout. Augmente la résistance contre les fléaux élémentaires. Donc si vous avez par exemple le fléau de l'eau, qui est assez chiant pour l'endurance, même si là, c'est pas encore très pénalisant, mais quand même, le fléau du feu, fléau dragon, ou le fléau de n'importe quel autre type d'élément, c'est assez chiant, donc là, la durée des fléaux sera quand même réduite de moins 50%, c'est vraiment pas négligeable, ça peut même vous sauver la vie. Je pense notamment donc les phases de brûlure contre le Fatalis ou contre la Lunastra, donc voilà, ça peut quand même vous aider. Et ensuite, c'est tout ce que j'avais en supplément par rapport au reste avec Machine de Guerre. Mais là, ça réunit vraiment les gros talents de DPS. Puisque vous avez quand même la Machine de Guerre, Maître d'Armes, Témérité, Berserker, Mise à Mort, Puissance Absolue, Jamais Vaincu de réunis. Donc c'est vraiment pas négligeable. Hein. Ça va vous donner un sacré boost au DPS et c'est assez polyvalent. Puisque vous avez quand même une chance assez énorme de rester en vie avec ce genre de stuff. Même si vous n'avez pas la bénédiction pour le coup. Voilà, mais c'est un bon stuff DPS sans forcément jouer sur les PV. Vous pouvez quand même rester full PV et pouvoir continuer à faire du DPS constant. C'est là où je vous dis que c'est un bon build, on va dire, polyvalent. Voilà, même si ce ne sera pas aussi bon que le build avec héroïsme. Mais c'est toujours ça. Donc là, maintenant, on va passer sur le combat. Donc je vous dis à tout de suite. Alors comme d'habitude, je sais pas si d'avance vous allez voir cette vidéo ou pas. Donc du coup, là je vais affronter un Pookie Pookie RM avec le dernier stuff que je vous ai montré normalement, si je ne dis pas de bêtises, puisque je filme là actuellement avant même d'avoir fait la vidéo, donc je suis un peu dans le futur. Mais bon, j'aurais à mon avis pris le temps de bien vous l'expliquer durant la phase principale des builds. Hop, ce qu'on va faire, tac, comme d'habitude. Voilà. Tac, je veux pas lui monter dessus exprès, je prends bien le temps de... Hop. Allez, hop, là. Ça commence. Je vais lui affaiblir la tête. Partie faible du monstre, hein, c'est toujours important de le faire. Voilà. Hop, hop, bouclier chargé, c'est parti. Maintenant, on va faire l'épée. Même si c'est pas obligatoire, l'épée. Mais j'aime. Mince, je suis complètement trompé, c'est pas grave. Là, je voulais faire une attaque spéciale que j'ai ratée. Allez, épée chargée. Maintenant,
Ah, dommage. Dommage. J'avais plus... J'avais plus le... la cape immuable. Allez hop là, tu manges. Voilà, j'ai re-bien rechargé le bouclier. C'est parti. Et le mode H. Mince. Allez. Et ben voilà, terminé. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais regarder un petit peu information. Ouais, j'ai mis 4 minutes parce que j'ai bien galéré à bien correctement charger mon épée, etc. Mais c'était pour vous montrer, regardez, il est toujours en mode super H. Donc vous voyez, ça fait quand même d'énormes dégâts. Après, faut pas faire comme moi dans le sens où il faut faire les choses correctement et dans l'ordre. Je me suis un petit peu gouré au début, mais c'est pas très grave. Après, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire de charger l'épée, mais c'est juste que je voulais vous montrer un peu les principes de gameplay en plein combat, et vous avez pu voir que c'est assez dévastateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.